Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit live du dimanche. Oui, parce qu'on se retrouve le live le dimanche, alors c'est tous les mercredis à 16h, oui, et on avait dit le dimanche, soit le dernier dimanche du mois, pour changer un peu du premier samedi du mois, soit dès qu'on a atteint les 100 followers sur Twitch, et il faudra quand même bien avouer que sur Twitch, on a dépassé les 303 followers, donc on a dépassé les 300, donc ça méritait bien un petit live le dimanche, et vous allez me dire, oui, mais de quoi parles-tu? De quoi parle-t-il le dimanche? De rien, rien, on est juste en mode libre antenne, je suis juste là pour lire vos commentaires, réagir à vos commentaires, interagir avec vos commentaires, rire de vos commentaires éventuellement, et vous faire gagner des cadeaux. Puisque oui, bah, le dimanche, c'est aussi pour faire gagner des cadeaux. Alors, on a des partenariats avec des marques qu'on lance, on appelle ça un frisbee. Merci beaucoup. Merci beaucoup à BZH pour les diamants qui sont bien moins éternels. Voilà. Donc on a des partenariats avec des marques et tout, on les contacte, on leur dit qu'on fait des lives, qu'ils veulent nous faire gagner des cadeaux et tout, voilà. Donc là, j'ai pas trop prévu, parce que j'étais pris un peu de vitesse, mais je voulais contacter Eusbiz et tout, puis j'ai oublié, puis voilà. Donc on restera sur les deals qui étaient un peu en cours, c'est-à-dire ce soir, il y aura une tombola. Pour ça, il suffit de participer au chat au moment où je vous le dis. Ah, j'ai oublié de mettre le mot secret. J'ai oublié de changer le mot secret pour le live du jour. Est-ce que vous avez une suggestion pour le mot qu'on devra mettre dans le live ce soir? Et voilà, il suffira au moment où je vous le dis de le copier-coller en commentaire, vous participerez automatiquement. Le dieu random sélectionnera un diamant, un gagnant. Merci à Sébastien qui vient juste de s'abonner avec Prime. Merci beaucoup, j'appelle Shadow, vous copiera colle. Si vous avez, vous pouvez me follower, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir. Et si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement. S'il te plaît, monsieur. Voilà. Bon, si vous avez des idées pour le mot du jour, n'hésitez pas, je le reprendrai tout à l'heure. Alors, hein, ça j'étais bon. BZH, bonjour, Fred. Vous donnez envie aux autres, voilà, j'en étais là. J'adore le vidéoprojecteur. Eh ben écoute, mon petit Sébastien, avec plaisir. Sébastien qui a été quasiment un des premiers. Je crois que quand j'ai envoyé la vidéo au tipeur la veille, déjà, il y en a un qui a acheté. Donc ça, c'était peut-être toi. Et beaucoup ont kiffé, encore une fois, voilà. C'est bon, on est d'accord que quand on a pu le voir dans les commentaires, qui sont toujours très intéressants, parce qu'on voit que certains ne sentent plus péter, hein. Notamment l'autre aujourd'hui, là, qui me dit, vous arrêtez de copier machin et tout, parce que. Mais voilà, ce projecteur pour moins de 200 balles, encore une fois, c'est pas la meilleure image, meilleur contraste, meilleure luminosité, mais on a quand même la petite sacoche, l'écran de projection, et on a un produit qui marche très très bien pour moins de 200 balles, TTC, encore une fois, livré par Amazon. Votre super admin est là. Bah ouais, on est sauvé. Nous voilà bien. Bonjour à Francky, bonjour à Michael. Yo, tu pas y avoir un peu de monde là? t'as raison de t'envoyer des fleurs. On n'est jamais mieux servi que personne. Mais il faut, voilà. Bah, écoute, le meilleur modérateur, le meilleur YouTuber, Twitcher, ah, de bonne humeur et tout, voilà. Avec toutes les rimes en heure. Bonjour à Cru. Merci encore une fois à BZH pour les diamants. Michael, alors des reviews montres. Alors, Michael qui est venu m'écrire sur Line en disant alors les reviews montres. Attends, alors je te cache pas que pour les reviews, alors le problème c'est que je suis parti une semaine en vacances et que pendant une semaine j'ai rien fait du tout. Et les Chinois non plus, après ils sont arrivés et tout. Et ils sont tous un peu énervés là en fin de mois. Alors, bon, je suis quand même ultra chargé parce que vous avez quand même une vidéo vendredi, vous avez quand même une vidéo samedi. Il y a quand même une vidéo dimanche, voilà. Demain, il y aura le Air Purifier, d'accord? Donc lundi. Mardi, il y a la vidéo de IVC VPN qui veut absolument que je la boucle avant la fin du mois, ok? Mercredi, il y a le Black Shark 4 Pro que j'ai commencé à faire aujourd'hui, que vous verrez mercredi. Jeudi, normalement, rien. Fentretti, il y a le micro Synco, parce que voilà. Samedi, normalement, on est tranquille. Dimanche, on aurait le aspirateur balai Pro Scénic P11 Smart, d'accord, ok. Lundi, normalement, rien, ok. Mardi, le Nubia Red Magic 7 que j'ai reçu, vous savez, moi j'ai le 6 déjà. Et bien là, c'est le 7. Tout pareil en mieux, en plus puissant, 1 million de points sur en tout, voilà. Donc ça, c'est pour mardi. Et après, il faut que j'enchaîne derrière. Il y a les serrures Wheelock et les petites consoles rétro gaming EK. Donc, ce qui fait que le planning était relativement chargé, et les montres, vu que ce sont la plupart des achats que j'ai fait moi, et que je devais placer des opérations sponsor, je me suis dit, il n'y a pas urgence. Notamment que les opérations sponsor qui devaient être faites au mois de février, on n'a juste pas eu de nouvelles, donc elles sont certainement reportées au mois de mars,
Donc voilà, vous aurez compris que le caractère d'urgence n'est pas. Donc les montres, ben Mars, voilà, Mars, laissons-nous le temps, comme ça, il n'y a pas d'urgence, hein, les montres, voilà. Je les ferai. Alors, pour les montres du mois de mars, ça sera 3 montres Sigul. À partir de 50, on aura 50, 100 et 200 euros avec 3 montres Sigul qui sont juste, voilà, de la moins chère à une, pas la plus chère, mais à des montres plutôt sympathiques. Donc ça sera pour le mois de mars, je promets très bien, mais... Je vais pas trop promettre des trucs. Le premier, je vais essayer. Voilà. Bonjour à Fred. Ok, Michael. Bonjour à tous, évidemment. Dolce. Dolce, c'est pas mal. Je vous ai dit que Dolce, ça m'avait recontacté. Je sais pas si je vous ai dit que Dolce m'avait recontacté, Miss Dolce. Qu'elle m'a dit qu'apparemment, il y avait des possibilités qu'elle m'en envoie. D'accord. Et que, alors, je dis, on peut faire éventuellement une vidéo ou un article, comme elle voulait. J'ai envoyé mes tarifs. Je m'en fous que ça vaille 500 balles. Ça merde, là. Je veux dire, les téléphones aussi. Et pourtant, ça passe, quoi. ça Jeanne. Donc, je lui ai dit, envoyez mes tarifs. Elle va y réfléchir. Et si les tarifs passent, et que, apparemment, ils ont un plan pour me l'envoyer en Asie parce qu'ils ont des doigts, ils ont des services postaux spéciaux. Voilà. Je devrais pouvoir choisir ma Jeanne. C'est très drôle de l'avoir assise comme ça. On peut qu'on arrive à lui faire bouger la bouche. Est-ce qu'en lui mettant un doigt dans le huc, ça fait pression d'air et ça lui fait bouger la bouche? Ça, malheureusement, je ne sais pas. Donc, merci à Sébastien. Ok, cerise. Cerise, c'est pas mal. Cerise, c'est pas mal. Dolce. Je sais pas. Non, Dolce, je sais pas. J'aimais bien cerise. Ou Jeanne. Sunday, dimanche, en anglais. Pas mal, elle est pas mal le Sunday. Alors attends, giveaway, comment je peux faire pour elle? Je me rappelle plus comment on fait. Current, given, giveaway setting. Giku, en majuscule le Sunday. T'en fais voir, t'as mis comment? C'est S majuscule E N D A Y. Ok, ça sera ça le mot du jour. Save. Je vous le mets là, ça sera ça. Bah, vous avez le temps, ne vous emballez. ne vous affolez pas, on a un petit peu le temps. Alors j'ai 3 cadeaux à faire gagner aujourd'hui. J'ai le, on commencera par le moins cher, le bon d'achat Amazon de 10 euros. J'aurai les lunettes King Seven en partenariat avec King Seven, puisqu'on était bien en deal avec eux, mais ils voulaient nous envoyer des... Alors, ils voulaient pas nous envoyer, enfin ils voulaient pas m'envoyer plein de lunettes. Je lui ai dit, je voulais pas payer. Après, j'ai dit, bah envoyez-moi plein de lettres. Ouais, j'ai parlé d'une vidéo. Voilà. Donc, j'ai fait un giveaway. Et giveaway, ça passe. Voilà. Donc, les mêmes que moi, les bleus, tout ça, où je n'aurais même pas le droit de choisir, ça sera exactement les mêmes que moi. Elles sont bien, elles sont polarisées et tout. Elles sont super classe en magnésium de trucs. Voilà. Et le troisième, ça sera bien évidemment, encore une fois, la batterie externe. Avec batterie externe, avec le plug et tout dedans. Voilà. Donc, ce sera les 3 cadeaux qu'on fera ce soir. Ça dure 5 minutes à chaque fois. Voilà. Il faudra rester jusqu'à la fin. Streamlab, si tu veux. Alors, ça c'est bon, ok. Pauvre Nico, il va avoir du taf. Alors, en fait, on s'est partagé. Alors, Nico ne fait plus de montage. Hein. J'ai un autre qui fait le montage. On essaie de se partager un peu le boulot. Par exemple, c'est lui qui a fait le Doogie et je lui ai demandé du coup de mettre tous les screenshots et tout. Et il se prend plus la tête que moi parce que voilà. Mais Nico ne fait plus de montage parce que bon, il voulait le faire, ça partait d'un bon sentiment, mais il prenait trop de temps. Voilà, il prenait trop de temps à travailler équivalent. Genre moi une review, ça me prend une demi-heure parce que je vais pas dire je fais ça à l'arrache, mais bon, voilà, c'est mécanique, je sais comment ça marche. Après, quelqu'un qui connaît pas. Ça peut prendre une heure. Le problème, c'est que Nico, ça lui prenait une journée, voire deux, quoi. Entre les problèmes de PC, les problèmes, entre tous les problèmes que tu. Toutes les excuses inimaginables que vous trouvez. Voilà. Donc, c'était gentil, mais ça lui prenait beaucoup trop de temps et surtout la tête. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un autre monteur qui est bien, encore une fois. Je dis, reprends tout pareil. Il a vu mon style. Il travaille aussi avec Final Cut. Donc, il prend, il regarde. Il peut faire pareil, facile. On utilise, voilà, tu mets les masques là, tu mets les photos en haut à gauche. Voilà. Je dis, tu reprends ça. Si tu peux faire mieux, tant mieux. Si tu peux faire au moins ça, ça me va. Voilà. Puisque de toute façon, en même temps, ça dépend aussi de comment je fais mes plans, comment je fais ma voix. Après, au montage, c'est pas très compliqué. Voilà, gardons le même style, le même rythme. Si elle peut me les envoyer, je me demandais ouais, si elle pouvait pas me l'envoyer. Non, mais apparemment, ils ont des transporteurs qui sont plus. On a eu le cas avec Doogie. Le premier Doogie, elle me l'a envoyé par UPS, le téléphone Doogie V20.
Elle me l'a envoyé par UPS, bloqué en douane, parce qu'il fallait l'agrément de la Thaïlande pour les télécommunications, NTDC et tout, donc voilà, disparu. Et après, elle m'a dit, vous le commandez sur Lazada, et là, Lazada, ils font partir de Hong Kong, ils ont leur propre transporteur, leur propre douane, et là, il n'y a pas eu de problème. C'est arrivé en 5 jours, il n'y a pas eu de problème, pas de douane, rien, tout va bien. Donc, bon, par contre, sur Lazada, autant le téléphone, ils le vendent 299$, ça fait environ 10 000 bahts, autant sur Lazada, il était à 16 000 bahts. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai pas payé ni l'un ni l'autre. Mais voilà. Donc, ils prennent plus cher, mais ils ont leur propre douane et tout. Donc, je pense qu'il y a des douanes qui doivent être plus laxistes, plus faciles, plus, on va dire, bakchichables. pour inventer des mots, un peu. Bakchichons. Bakchichons les douaniers. Ce qui n'a rien à voir avec ce que tu penses. AO0, bonjour. Bah, écoute, bonjour, mon petit aussi. D'acide, bonjour. Hâte de voir le Dolph, la Dolph. Il a tout mis en séparé pour pas se faire striker. Bravo, bravo. C'est une belle feinte. Je sais pas de pourquoi des vlogs du. Attends, oulala. Je voulais savoir pourquoi du vlog pas sur Twitch. Vloguer sur Twitch, c'est quoi vloguer sur Twitch? C'est-à-dire faire des lives dans la rue ou en Thaïlande ou faire visiter des trucs? Explique-moi le fond de ta pensée. Pas de fond de ta dolce, hein. Le fond de ta pensée. Et je t'apporterai une réponse. Voilà. Alors, Sunday. Ben, alors, ça, c'est moi qui ai mis. D'accord. Elle est où, Jeanne? Ben, elle est encore en Chine. Hein. Elle est en peinture. Non, je déconne. Je sais pas. Écoute, moi, elle m'a recontacté sur QQ. Alors, c'est rigolo. QQ, je rappelle, c'est l'ancien Messenger spécialement pour les Chinois. Elle me réécrit, bonjour, là, je vous êtes... Tu sais, les meufs te contactent, je dis, bonjour, vous êtes de quelle compagnie? Je suis de machin, on va des dolls, c'est tout. Je dis, mais on s'est déjà écrit. Vous m'avez dit que vous pouvez pas me les envoyer depuis vers la Thaïlande. Non, mais en fait, on a une solution. On a un plan B. Et en fait, je pense que par rapport à toutes les campagnes de mailing et de spam qu'elle a dû faire, je pense que personne n'a répondu. Le seul frappanin qui a répondu, c'était moi. En disant, ouais, fais péter la dolce, on la mettra là. Je mettrai un petit siège, on va l'asseoir, on va l'habiller. Et puis voilà, après, comme je te dis, pour voir si elle peut bouger la bouche. Tu vois, voilà, mais ça sera drôle. Moi et Jeanne, et puis on fera une connerie. Je vous laisse imaginer. Quand on imagine, on a une dolce là. Il faudra que je fasse une review, parce qu'elles vont m'envoyer un truc, ça vaut 500$ quand même. Il faudra que je fasse une review, mais on partira plus dans l'idée que c'est une femme de compagnie. Tu vois, on fera une review en disant c'est ma compagne, on la sciera à manger, je ferai une connerie comme ça, et après, je veux dire, elle sera là et tout. On trouvera des trucs, voilà, on trouvera des trucs à lui faire faire et tout. Mais pendant un moment, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une espèce de chaîne YouTube où c'était une coréenne qui parlait, mais une vraie coréenne qui parlait en coréen, et ils mettaient les sous-titres et tout, c'était assez intéressant. Mais je pense qu'il y a une connerie à faire, il y a un show à faire avec une dolce comme ça, il y a des bêtises à faire. Pas de, tu sais, on n'est pas sur Ferreira là. Lui il a sa chaîne, moi j'ai la mienne. L'acteur préféré de ton actrice préférée, non, c'est pas, t'es trompé. T'es trompé de chaîne. Mais voilà, il y a des choses rigolotes à faire, par exemple. Bon, Sunday, ça n'a pas commencé le jeu, c'est pas la peine de recopier Sunday. Bonjour à Nicotte. Elle n'est pas encore arrivée. Je t'ai dit, elle est en peinture. Nico, attendez, c'est pas encore. J'ai pas encore commencé. Oui, parce que c'est des rigolos, on est chaud. Pas le machin. C'est drôle, et drôle. Fallait dire chaud et drôle. Tu es peut-être notre futur Jeff Panacloc. Oui, c'est ça. Avec Jeanne, ça sera plus sympa. Carrément. Non, mais je t'ai dit, imagine, tu lui mets un doigt dans le. Huc, voilà, et que ça fait compression d'air et qu'à chaque fois ça fait bouger la bouche. Ça veut dire non, mais je dis ça pour rigoler, bien sûr, ça marchera pas comme ça. Mais voilà, alors la question c'est est-ce que je demanderais du vagin amovible ou vagin. Les questions, ou pas de vagin du tout. Comme ça, je dis, non, mettez-moi, fermez le truc comme une Barbie. Barbie, fermez le truc, hein, un peu, et avec un petit fer à souder, tu chauffes, ça va plaire. Hein. Non, c'est pas moi, d'accord, c'est pas une plaie. Ferme sa bouche, c'est des lèvres. Voilà. Non, mais voilà, non, mais il y a moyen, voilà, il y a moyen. Je réfléchis pas encore à des trucs. Je me dis, putain, là, assis à côté, bien maquillé, bien habillé et tout. Et voilà, je vous laisse déjà laisser travailler votre imagination. Première fois sur le chat de TMJ. Hey, oui, ça faisait longtemps. En effet. Vlog comme nous le tête, mais sur Twitch.
Ah oui, d'accord. Je sais pas. Ah oui, on peut. Oui, en même temps. Oui, on met en 5G. On met en 5G. Et on peut... Alors, le problème. Le... Je sais pas. Je sais pas dans quel. Comment dire. Dans quel. Ah, live IRL. Bah, c'est un peu ce qu'on. Ah oui. Ouais, mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Oui, après, c'est dans la rue. Ça serait en... à Pattaya. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On pourrait faire une FAQ ou un live dans des endroits des fois. C'est vrai que j'avais commencé à le faire sur Instagram, hein, s'il y en a qui avaient suivi, quand j'allais courir, avant, maintenant. Je me suis acheté un rameur, maintenant. Mais avant, quand j'allais courir, et ben, c'est vrai que je faisais un petit live comme ça, donc on pourrait le faire soit sur Instagram, soit sur Twitch. Ça n'a pas de grosse incidence. Après, bien évidemment, comme vous êtes bien plus intéressant que les mecs sur Instagram, je le ferais peut-être plus pour vous. Non, je déconne. fais attention, on a beaucoup d'imagination. C'est ce qui me fait peur. Bon, c'est ce qui me fait peur. Bon, je serais d'avis, moi, hein, qu'on lance une petite pub. putain, elle est où ? Que je lance une petite pub. Voilà, déjà. Et après, on fasse un giveaway. C'est bonne, c'est tôt, hein. Comment je voulais faire? Attends, je voulais. Alors attends. Il va y avoir un million de commentaires. Ça va être tendu. J'avais prévu un truc normalement. Là, voilà. J'avais prévu le giveaway ici. Voilà. J'avais prévu mon truc. Moi, je vous propose, c'est qu'on fasse un petit giveaway. Alors, je limite fais les commentaires et quand j'ai fini, je lis les commentaires. La vocalisation, la Dolce, ça va partir. Oui, ça va partir en silicone. Bonjour Arfromain, je suis sûr que tu vas bien nous la customiser. Ah, carrément, maquillage, peinture, lustrage, ramonage, non, pas le ramonage, on a dit, peinture, lustrage, coiffage, et brossage dedans, pour changer la laine, voilà. Après, ramonage, on fait pas. Quoique, écoute, faut tout essayer. Laquelle vas-tu prendre, du coup, parmi celles-ci? Alors, attends, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il faut qu'elle me réponde, il faut qu'elle accepte mon prix. Parce que je lui ai facturé le prix d'une review normale. Il n'y a pas de moitié prix parce que c'est un téléphone et tout. Elle n'est pas ni 4G ni 5G, la Dolce. Donc, pour l'instant, je lui ai dit, voilà mes prix. Je peux vous faire soit un article, soit une review. On va voir, parce que... Elle va voir. Je vais voir, cocotte. Et voilà. Doogie m'ont fait pareil. Doogie avec le V20, fait, ouais, truc... À moitié prix, la review, parce que c'est téléphone, j'ai mon goût. Bah non, alors. Bon, d'accord. Elle, quoi, l'a payé. Et Oukitel sont revenus à la charge. On me dit, oui, je viens d'arriver, truc, j'ai assez de temps. Moitié prix, comme vous, comme tout le monde. J'adore les smartphones et tout. Oui, mais bon, vous comprenez, je comprends rien du tout, moi. Soit, en plus, c'est avec un... Un P22, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, voilà. Je dis non, soit c'est payant, soit c'est pas marrant. Miao de Lyon, bonjour à Nono le chat. Pub Kit 4. Have a break. Pas mal. Bah écoute, ça gaz. Écoute, non, c'est bien. J'ai passé une bonne semaine et tout. On est en train de revoir la stratégie. Alors là, du coup, c'est Nico qui rentre en jeu. On est en train de revoir un peu la stratégie de ce qu'on va faire, ce qu'on va garder, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et malheureusement, si on prend le cumul, on a quand même beaucoup plus de trucs qui fonctionnent pas que de trucs qui fonctionnent. C'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Mais en train de regarder, voilà, qu'est-ce qu'il serait peut-être bon d'arrêter de s'acharner. Je pense que ce serait bien le moment où j'étais du geek. Arrêter de s'acharner et passer peut-être plus de temps sur faire d'autres choses. Vous avez vu que le fait que je me sois libéré les mardis, j'ai recommencé les reviews en anglais. Et mine de rien, voilà, il y a quand même beaucoup plus de potentiel si je sais faire des reviews aussi en anglais, quoi qu'on pense de mon accent, que de continuer à s'acharner, à vouloir faire un format qui ne... Même si ça marche pas trop mal, et ça prend pas tant que ça. Ça aurait dû prendre depuis un bon moment, voilà. C'est peut-être que l'univers en a décidé ainsi, il faut que je fasse autre chose. Notamment, avoir une Jeanne, et voilà. Les packages, vous savez ? Non, mais on s'en fout si elle vibre. Je crois qu'elle vibre même pas. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez si on faisait un petit jeu ? Moi, je vous propose. Alors, vous avez vu le... en fait, comment ça marche ? Je lance le giveaway. Donc, vous avez vu, je suis transparent avec vous. Ça veut dire que je lance le giveaway ici. On verra tous ceux qui participent en temps réel, encore une fois. Comme ça, si vous ne voyez pas votre nom, vous pouvez le refaire. Il vous suffira de mettre point d'exclamation Sunday avec un S majuscule à partir du moment où j'aurai lancé le jeu et vous participerez automatiquement au tirage au sort. Pour ça, vous aurez 5 minutes pour mettre votre commentaire. Et ensuite, à la fin, on sélectionne et le duo random choisira un gagnant. Je vous le rappelle, si vous gagnez deux fois ce soir,
qui ne devrait pas arriver, mais ce qui est déjà arrivé beaucoup de fois. Notamment, même moi j'ai gagné. Si vous gagnez deux fois ce soir, vous aurez le droit de choisir. Non, alors, si vous gagnez une fois, vous avez le droit de choisir. Soit vous voulez le produit, soit vous ne voulez pas le produit. Et dans ce cas, on le remet en jeu. D'accord ? Si vous gagnez deux fois, vous devez choisir celui que vous gardez. Soit le premier, soit le deuxième. Si vous gardez le deuxième, le premier est remis en jeu. D'accord ? Et si vous gardez le premier, le deuxième est remis en jeu. Voilà. En gros, vous choisissez un petit peu comme ça. Ça permettra, voilà, si jamais bah, vous gagnez le chèque cadeau et vous gagnez aussi la batterie, vous dire, je préfère la batterie, le chèque cadeau, hop, on le remet en jeu. C'est quelqu'un d'autre qui va le gagner. Comme ça, c'est sûr que ce soir, on aura au moins trois gagnants différents. C'est parti ? On va y arriver ? 27 en ligne, c'est bien. On lance le premier giveaway avec le chèque cadeau. Normalement, vous devriez avoir un message qui s'affiche dans le chat. Voilà, c'est bon. Streamlab. Ok, donc ça c'est bon. Alors, normalement, voilà, vous mettez point d'exclamation. Là, vous, on voit directement les gagnants. Je vais jouer aussi. Comme ça, si je gagne. Si je gagne, je garde. Si je gagne, j'en garde un. Je suis désolé, mais là, vous faites chier. Chaque fois. La dernière fois, j'ai gagné deux fois. J'ai rien gagné. Moi, je prends le bon d'achat. Fred, il m'a envoyé une photo. Il a acheté des trucs sur Amazon. Ça me plaît bien. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé? BZH a envoyé 5 bits. Merci beaucoup, BZH, pour des petits diamants. Voilà. Donc là, vous voyez les noms des participants. Ok. Donc là, vous êtes 14 sur les 27. C'est pas mal. On va voir combien vous êtes en ligne. 27. Voilà, c'est facile. Et je peux dire que ça peut rapporter gros, mais c'est facile. Est-ce que j'ai mon BGLG? Ça, c'est bon. Moi, j'ai joué. Ok. BZH, Fred. Mettez-moi un plein d'exclamation. Sunday. S, Sunday, S avec un majuscule. Donc, ce soit un peu compliqué quand même. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon. Non, non, le chat, c'est bon. Voilà, bon voilà, c'est pas mal. Puis voilà, bon, on attendra la fin et on fera le tirage au sort. On fera un peu de questions-réponses et tout. Mais voilà, bon, bon pour revenir à la petite histoire de Dol. Voilà. Donc j'attends sa réponse. Je pense qu'elle a dû y réfléchir. C'est un peu comme Oukitel. Oukitel me dit oui, au début, elle me dit oui, bon, voilà l'argent. Alors maintenant, on fait plus. Voilà, j'ai bon, du boulot, j'en ai et faire du boulot gratos. Bon, à part le Nubia, à part le Red Magic 7, parce que bon, il vaut quand même une blinde. Comment dire, le Nubia Red Magic, le Black Shark, le Black Shark 4 Pro, ne sera qu'à 499 TTC. 499 euros TTC, il y a quand même un Snapdragon 888 dedans, pas mal, système de refroidissement, charge rapide 120 watts et tout, écran Super AMOLED Samsung E4. La batterie est pas ouf par contre, hein. J'ai préparé mon script pour demain là. J'ai fait les photos cet après-midi. La batterie 4500 mAh, mais après tout le reste c'est pas mal, hein. 8 plus 128, pas de micro SD, c'est un peu dommage. Mais il y a la prise jack, son DTS tout bien là, pas mal, 499 euros, pas excessivement cher. Alors après encore une fois c'est que un 888 en même temps. Liblet Gaming, ça reste un joli téléphone avec du MIUI Inside, on peut t'aimer. On peut t'aimer. Voilà, donc là, les diamants sont là. Sunday caramel à l'ancienne. Moi, j'aimais bien les Sunday M&M's. si on vous pose la question. Il est cher, ton purificateur. Alors, c'est pas mon purificateur, déjà. Bah si, celui que j'ai gardé pour moi, il est pas mal. Après, en fait, comparé à des purificateurs qui font quasiment rien de mieux, à part purifier un peu l'air, celui-là, il est quand même, et ça sera aussi un peu le leitmotiv. Alors après, elle m'a cassé les couilles parce qu'il y a un écran OLED et non pas un écran LCD. J'ai dit LCD, elle dit non, c'est un écran OLED. Il y a juste marqué le nombre de degrés dessus. Mais bon, il fait quand même PM10. PM2.5, anti-allergie, anti-poussière, anti-odeur. Enfin, le filtre dedans, il est quand même chargé. Je sais pas comment ils vont valoir les filtres après, mais le filtre dedans, il est un peu rock'n'roll et c'est pour ça qu'il est bien. Après, bon, bah voilà, 500 balles, quoi. Je veux dire, wow. Après, cher, pas cher, je sais pas. Après, c'est cher par rapport à quoi? Comme je dis, si personne en voit l'intérêt et tout, moi, avec mes allergies de chat, machin, et le pollen, et éventuellement, alors moi, à Pattaya, pas trop, mais à Bangkok ou à Chiang Mai, quand il y a des gros pics de PM2.5, d'avoir un machin comme ça qui filtre vachement bien, c'est bien. Et puis, les mauvaises odeurs. Alors après, elle me dit, oui, il aurait fallu mettre une cigarette à côté qui aspire pour voir que ça sort propre et tout. J'ai fait pas, non. Déjà, je fume pas, mais après, même avec de l'encens, pas que ça à foutre. Hein. Bah si, mais bon, après, voilà, non, c'est une review, pas non plus. T'as zéro à net, là, hein, t'as déconné. Stream, là, reçu un ticket, ça. Du coup, c'est le premier cadeau. Voilà. Premier cadeau, chèque cadeau. De la journée. Premier cadeau de la journée, c'est vrai. C'est pas mal.
Les tickets sont tombés. Alors attends. As-tu vu Piper Bloch qui a déballé une dose? Non, bah non, je suis pas. Après, je comprends que vous, vous êtes d'abonnés. On n'est pas abonnés aux mêmes chaînes, monsieur. Monsieur Jim. Non, je n'ai pas vu. Je suis sur. Non, merde, Inventing Anna. J'ai fini Inventing Anna là, tout à l'heure. Putain, dernier épisode, une heure. Qu'est-ce que c'était bien, Inventing Anna? Oh la frache! Qu'est-ce que j'ai kiffé! Oh, qu'est-ce que c'était bien! Oh là là, comment j'ai kiffé ma race pour un truc, je pensais un peu gossip, mais non. McFlurry d'un. McFlurry au d'un. Pas mal aussi. Désolé pour les fautes. Bon, tu sais, on t'en veut pas. Hein. Il fait anti-poil de chat. Bah oui, en même temps, en fait, il fait anti-poil de chat et anti-allergène. Et parce qu'il est anti-bactéries, encore une fois, puisque il explique bien que tout. Moi, je le vois dans la maison quand j'étais allergique, quand j'avais le chat. C'est que même si le chat était dehors, comme il était devant la porte et tout souvent, ça sentait le chat dans la maison. Donc, si ça sentait le chat, ça veut dire qu'il y en avait. Et là, il explique bien que le filtre, il aspire non seulement grâce à son filtre charbon, il filtre tout, donc il n'y a rien qui passe. Et ensuite, les bactéries qui seraient éventuellement au-dessous de 0,1 micron. Donc qui passerait quand même, toi, les coronavirus et les machins comme ça, qui passerait quand même, tu vois, à travers, il y a quand même la lampe ultraviolet qui les éclaire, et comme c'est une vraie lampe ultraviolet, ça les défonce. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé ça chialé, quoi. Je me suis dit quand même, c'est le genre de produit que je ne connaissais pas. Comment on voit le timer là, ça en est où? Ça n'a pas fini encore cette histoire là. Picouiller, c'est peut-être déjà fini la tombola. Donc au niveau des filtres, oui, en plus poil anti-chat, poussière, oui, il y a marqué poussière, bactéries et tout comme ça, voilà. Vous ne pouvez plus participer à la tombola, voilà, c'est fini. Hello à tous, bonjour à Domi. Oh Domi, vive la baguette. Plus le comté. Si c'est fini, voilà, ça vient de finir à l'instant. Bon, alors, on se fait le. on se fait le premier gagnant. Lynchage en public du premier gagnant, je marque. Les 10 euros sont pour, alors je rappelle, le gagnant sera désigné. Si vous êtes le gagnant, il faut me mettre un commentaire en disant oui, je veux le produit, non, je veux pas le produit. Si tu veux le produit, il faudra m'envoyer, il faudra me cliquer sur mon pseudo et mettre chuchoter. Je mettrai par exemple ici, celui-là, comme ici. Je vais mettre comme ici. Tu cliqueras sur mon pseudo, tu pourras mettre chuchoter et tu m'enverras nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Voilà. Email et email, parce que je crois qu'Amazon vont l'envoyer par email. Bon, pick le winner. Pick le winner. Ici. Étoile. Ok, étoile DA. Étoile du matin. voilà, oui, je veux. Voilà, c'est fini. Voilà, donc là, marqué étoile DA à remporter. Donc, ça, à toi de m'écrire maintenant, me dire oui, je veux le lot. Non, je veux pas le lot. Si tu veux le lot, tu me chuchotes. Félicitations, bah, carrément. Si tu veux pas le lot, bah, tu chuchotes. Tu mets je chuchote. Voilà, tu chuchotes à l'oreille de GLG. Et tu me dis nom, prénom, adresse. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse email. Surtout adresse email, je crois, pour Amazon, les autres s'en battent un peu les couilles, mais au moins pour ça. Quand tu vas. Quand tu remets l'étoile du matin, je gagne. Eh ben écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Il est 28, je pense qu'on va te faire le prochain à 35, par exemple. On va garder un peu de temps. On reste un peu de plaisir. Le prochain, ça sera la batterie à 35, et 35 jusqu'à 40, et le dernier à 50 pour vous faire gagner. C'est les lunettes. Non, c'est les lunettes après. Oui, c'est les lunettes. Après le chèque cadeau, c'est les lunettes. Après, c'est les lunettes à 35, et vers 50, on ferait gagner la batterie externe. Voilà. Je garde. Enfin, ok. Bah écoute, très bien. C'est truqué. Je sais pas comment, mais c'est truqué. Voilà. Tu sais pas comment il a gagné, mais c'est truqué. J'ai pas gagné. C'est vrai que ce coup-là, j'ai pas gagné. Voilà. Donc voilà, pour revenir à la Dolce, c'est j'attends qu'elle me réponde, mais je pense qu'ils vont payer, hein, de toute façon, c'est pas que... je pense surtout qu'elle a pas de beaucoup de plans, après, bon, peut-être tu me dis, il y en a déjà une, qui a un mec qui a testé et tout, mais voilà, je pense que la meuf, elle s'est pas trop cherchée, et puis après, je veux dire, si on fait, je sais pas, 10, peut-être on fera peut-être un peu plus de vues, mais on fera peut-être plus que 10 000 vues, quand même, sur les... T'as vu, la moyenne, c'est entre 10 et 15 000, et 20, 30, 40, sur certaines vidéos, quand ça marche bien, mais le Dougie, toi, la vidéo devrait prendre un peu plus avec le temps, mais voilà, si on fait 10 ou 20 000 vues avec la Dolce et tout, parce que c'est rigolo,
En plus, c'est très putaclic, c'est très racoleur et tout. Hein. Je vais faire la review d'une Dolls et tout. Voilà. Je voulais pas, hein, je voulais pas. Mais voilà, c'est elle qui est revenue, elle est revenue à moi. Je voulais pas me lancer là-dedans. Je m'en battais les couilles de sa Dolls. Pour la blague. Mais l'autre, elle revient, elle dit bah, tu me payes alors. Tiens, tu me payes alors là. Alors là, je la prends ta Dolls. Je la prends, je la retourne et je. Il y avait une chanson, non, il y avait un film. Bon, c'est pas grave. C'est pas truqué. Et toi, Léa, qui a gagné. Non, mais il rigolait, je pense. Il rigolait, parce que s'il rigole pas, on il est banni. Donc il va revenir, Nico, te dire oui, je rigolais. Si tu dis non, je rigolais pas, je suis un connard, bah, là, t'es banni. C'est comme ça ici, hein. Il y a de la modération, hein. Faut pas l'accuser de truc là. En plus, je suis transparent, je fais voir le truc et tout. Voilà, on peut pas tricher. Puis si j'avais triché, c'est si j'avais fait gagner quelqu'un que j'affectionnais particulièrement. Mais même pas. Parce que je nous affectionne tous et je peux vous faire tous gagner. Hall. Mikado Hall. J'ai pas dit que c'était truqué. Non, c'est Nico. Ah, Nico. Non, c'est Michael. Salut mes loulous. Bonjour à Tokyo. Évidemment, merci à BDDH pour le diamant. Qui sont éternels. Avec un T comme cheval. Je suis là de façon pour voyez que c'est pas pour c'est pas triqué, oui. Oui, il y a Shadow, oui, mais Shadow il est là, il vérifie. Hein. Ben, il veut pas, j'aurais même pas truqué le bousin parce que c'est tellement relou leur truc là qu'il faut participer et tout. Non, mais c'est bien, moi j'aime bien. Après, il n'y a pas de, je sais que c'était une plaisanterie, mais bon, on n'est pas pour. On sait que t'es là. On sait qu'il est là. Bonjour GG Pod. Bonjour à Backfellow. Oui, j'ai vu qu'il y avait une petite pointe de trafic. On a quand même fait une petite pointe à 32. Alors, ceux qui arrivent maintenant, je suis désolé, le bon d'achat Amazon est gagné déjà. Hein. Il fallait arriver un peu plus tôt. Hein. Là, il vous reste les lunettes King Seven Like Me. Et les mêmes que moi. En bleu, tout, trop bien. Et la batterie externe Vegar, par exemple. Alors, attends. C'était là, ok. Salut GG Pot. Supprimé. Shadow a supprimé le message de Nono le chat. D'accord. Ok, bah écoute, supprimé. On saura pas pourquoi, mais il faut modérer ton langage, Nono le chat. Hein. Il faut pas monter sur tes grands chevaux. Surtout pour un chat. Voilà, donc c'est pour ça. Donc bah, ça va être, la semaine va être bien chargée. Donc demain, le clim. Demain matin, il faut absolument que je fasse IBC VPN. Enfin bon, IBC VPN, il vient tous les mois. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour moi, financièrement. Il vient tous les mois, il me dit oui, on va faire une vidéo ce mois-ci. Je dis ok, vous avez une idée du topic. Il fait non, faites-moi des propositions. Je dis putain, propositions sur les VPN. Je dis putain, c'est impossible, improbable et tout. Et je lui ai trouvé un petit sujet bien mis tout clic. Attends, comment alors, le sujet de ce d'émission VPN, c'est toujours la même chose, c'est VPN machin. C'est comment mon VPN protège mon PC, smartphone et ma vie privée. J'ai trouvé ça. J'ai envoyé ça en anglais, mais dit, très très bon sujet de topic, voilà. C'est un topic qui rime bien avec Chocapic, voilà. Donc j'ai envoyé ça, demain matin, il faut que je fasse la vidéo, parce qu'il veut la mettre en ligne mardi. À défaut qu'il la paye lundi après-midi, je la mettrai en ligne mardi. Et il faut que je finisse le Black Shark en français, donc demain je ferai les plans. Si j'ai que les plans à faire demain après-midi, c'est facile, parce que j'ai déjà fait les photos, le GPS. Oh, il a un nouveau... le Black Shark a un nouveau système de GPS que je ne connaissais pas. Enfin, je regarde sur YouTube. Ça s'appelle le BZSS. Non, le QZSS. Oh, je ne sais jamais entendu parler. Attends, dis Siri, c'est quoi le GPS QZSS? Je ne trouve pas de lieu correspondant à... Ah ouais, mais il m'a mis Q avec comme un Q, lui aussi. Tête de Q que tu es, oui. Je sais pas ce que c'est. Et putain, au niveau des satellites, t'as une putain de rafale de satellites sur le GPS. J'étais tétonné. Ça veut dire que j'avais les tétons qui pointaient pour te dire que le GPS devait être assez violent. Et voilà, c'est simplement pour vous dire ça. Et donc demain les plans. Et demain les plans. Peut-être même la voix en anglais, si j'ai le courage. Ou la voix en français, peut-être en fin d'après-midi. Ouais, la voix en français, comme ça j'aurais que la voix en anglais. J'aurais que le montage à faire mardi et la voix en anglais. Et le montage à faire, oh là, trop de montage et tout. Ah non, parce que là, le montage, je l'envoie à Ouin-Ouin. J'enverrai à Ouin-Ouin le montage. Je fais peut-être que le montage en anglais, comme ça. Donc ça, je l'envoie et je fais moi le montage en anglais. Facile. Oui, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais comme moi. Tout le monde n'est pas à l'aise avec mon anglais comme moi-même, c'est surtout ça. Tu mets du bien.
Truqué, il n'a pas gagné. C'est... c'est pas... Non, elle est bonne. C'est pas truqué qui a gagné, c'est étoile d'air. Pas mal, elle est bien. Tu mets le Nubien en temps. Ton... Non, le 6 ou le 7. Alors le 6, le 6S Pro, il est clair que je ne vais pas le garder. Je vais passer au 7. Le 7, il fait quand même 1 million de points sur Antutu. Hein. Ça... Il est où ? Ça, c'est le mien, celui-là. Ça pique sa mère. Alors, il y a les nouveaux trucs, là. Attends, il faut que je vous fasse voir. Attends. Il y a un nouveau mode. Attends, il est où, le nouveau ? C'est sur celui-là ou c'est sur le Black Shark ? Je crois que c'est... Ah, non, c'est le Black Shark. Il a... Ah non, c'est lequel qui avait le truc ? C'est pas elle ? Il y en a une où la meuf, elle parle. Ah non, c'est sur l'autre, là-bas. Regarde. Attends. T'as l'assistante grognasse, là, tu vois. Attends. T'as Shark machin, là, toi. Tu mets comme ça. Ah non, mettre comme ça. Là, et tu peux lui faire parler. Regarde, attends. Elle a une putain de voix. Et en plus, il y a une, tu sais, genre... non, ne me touche pas, gros dégueulasse, toi. Elle te dit comme ça, regarde. Là, t'as le premier bouton, c'est douteux. Regarde. Commandant, qu'est-ce qu'il y a ? Commandant. Après, là, il y a timide. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Ça ferait la très bonne voix pour ma Jeanne, ça. Alors, coquine, là. En fait, quand tu lui touches la fouf, elle fait ça. Regarde. Tu touches la fouf. Commandant. Oh. Oh. Tu vois, elle fait. Oh. Sacré chaude. Sacré chaude. Arrête de me chatouiller, là. Après, là, elle fait répéter. Eh, va-t'en, arrête. Voilà. Après, il y a quoi? Oh là, elle est timide. Là aussi, elle n'est rien. Laisse-moi voir. Oh, elle était fatiguée, hein. C'est bien fait. Des... Donne... Après, il y a quoi? Attends, il y a quoi Commandant, de neuf? Qu'est-ce qu'il y a? Commandant, après, il y a quoi? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Ok, après, il y a... arrête. Hein. Commandant. Voilà. Va-t'en. Voilà. Et parce qu'en fait, quand tu fais comme ça... Attends, elle est où? Quand tu fais comme ça, que tu lui touches là, regarde, toi. Oh, oh. Oh, tu vois, elle fait des drôles de bruit, je trouve, moi. Cocotte. Voilà. C'est simple, c'était simplement pour la... Et parce que je vous avouerai que quand même, je sais pas vous, mais moi j'ai bien cru pour le moment que c'était les mêmes. Hein. Regarde. Et en fait, pas du tout. Il y a une rouge et une verte. Voilà. Pour pouvoir changer un peu. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de... Je remets ça là-bas. Voilà, c'était mes élucubrations du jour. Alors, attends. Pas d'humour, le fantôme. Demande aussi le protocole WearGuard à IVC. Ah, j'ai pas regardé ça, ce que c'était WearGuard. WearGuard. Ils ont fait un forfait. Ils l'ont augmenté, le forfait. Il est à 1,73 maintenant. Il n'est plus du tout au même prix. Tu vas te faire... ban. Et toi là... étoile DA et la femme de Nono... Peut-être. Du coup, c'est truqué. Pas du tout. Non, je suis juste jaloux. D'accord. c'est de la jalousie plus restable. Je pense que Jeanne risque d'être étonnée. Si tu lui fais ton... Pas la voix qui est... Non, je lui ferai mes petites... Panacloc. Panacloc, c'est... Alors, le problème, Panacloc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ventrilogue, voilà. Et alors, est-ce que le vaginologue fonctionne? Va savoir. C'est Genshin Impact. J'ai loupé le nom du jeu auquel tu joues, auquel joue GLG. J'ai joué à rien du tout, moi, monsieur. C'était dans l'application. Terrible ton jeu. C'est pas un jeu, c'est l'assistante Black Shark, là, qui te permet de... voilà. Tu lui caresses les genoux et elle te dit « Ah non, je sais ce que tu veux, hein !» Voilà, donc... ça m'avait l'air un petit peu dépravé, cette histoire. Arrête de lui mettre le pouce en l'air. Oui, mais si c'est un pouce en l'air. Parce que le pouce en bas, ça, elle aime beaucoup, moi. Bonjour tout le monde, bonjour à Planète Shopping et bonjour à Fred. Allez, moi ce que je vous propose, c'est de mettre une petite pub, par exemple. Et elle est où ma page? Alors, c'est de mettre une petite pub, déjà. Voilà. Et de refaire une tombola, par exemple. Arrête! Je sais pas, elle fait pas Nubia. Nubia, j'ai pas ça, une assistante de coquine, là.
Il y a un truc là, c'est pour les. Non, il n'y a pas. Parce que elle est bizarrement faite, Black Shark, parce que tu as le gauche-droite et tu peux lever comme ça. Et tu as accès à plein d'applications. Là, beaucoup moins. On est plus sur un téléphone classique. En même temps, c'est exactement. La ROM est un peu différente que le 6 S Pro, le 7, mais voilà. La boîte, par contre, la boîte, elle tue. Hein. Par contre, je vous ai jamais vu la boîte du. Alors attends. Je ne vous vois pas. Je n'ai jamais vu la boîte du Nubia 7. C'est marqué là. La boîte, elle défonce ça. Mise en vente le 22. Non, annonce officielle le 22. Enfin bon, c'est la même que la version chinoise et tout. Et début des ventes le 2 mars avec des coupons exclusifs. Donc j'ai dit, bah la review, ça attendra le 2 mars. Parce que là, je suis chargé comme Jeanne. Hein. Voilà, je suis chargé comme jamais. Et voilà. Et il y a toujours la silicone qui est dedans. Celle d'origine était moins bien que celle que j'ai achetée après, mais voilà, je pourrais la récupérer, par exemple. Voilà. C'était pour gagner du temps. Et je pense que c'est mission accomplie. Des coquins. Oui, chez Black Shark. Arrête. Oh non. Je sais ce que tu veux. Hein. Surtout quand tu lui mets le. Voilà, quand tu double-cliques là où tu ne devrais pas double-cliquer. Mais Et puis je trouve la voix un peu trop. Alors, je sais pas s'il y a anglais, espagnol, japonais et tout, mais en français, une assistante de Red Magic. On sait pourquoi tu en. non, c'est Black Shark. C'est l'assistante de Black Shark. Punaise, c'est l'assistante, ça. Donnerait envie d'acheter. c'est ouf, hein. C'est ouf. Puisque, en fait, quand tu joues avec le téléphone, non seulement t'as la petite LED derrière qui s'allume et tout. Attends, je vais te refaire voir. Regarde, quand tu allumes le téléphone comme ça, tu vois, t'as l'espèce de petite LED avec les. Ah, mais oui, il s'est mis en vert. Je suis désolé, il s'est mis en vert, donc vous ne verrez pas. Mais vous me verrez, moi, à travers. Mais voilà, et. Je sais pas. Voilà, tu vois, quand tu regardes, si tu mets, regarde, tu mets là, regarde, tu mets dessus, tu double-cliques sur ça. Tu vois ? Arrête ! Arrête ! Commandant ! Oh, commandant ! Voilà, bon, voilà. Donc, oh, arrête, ça m'excite. Oh là là, je suis énervé, ça y est. Voilà, c'était pour. Voilà, c'est ce que j'ai. Voilà, donc review demain. Je me prépare demain en ligne mercredi matin. Ou mardi pour les tipeurs. Les tipeurs, vous aurez le droit de tiper en premier. Pub Uncharted. Il paraît que c'est nul, hein. J'ai regardé Merej. Il a dit que c'était nul. Voilà. 499 pour. C'est pas cher. Oui, mais en même temps, c'est le prix de la Dolce. La Dolce et le téléphone, 1000. 1000 les deux. Bon, ce que je vous propose. Alors, 499, cher. Elle te fait le ménage. Même pas. Elle peut même pas commander l'aspirateur. Black Shark, l'assistante, c'est bien. Hein. Sunday, Nubia Red Magic Sen me donnerait bien envie aussi, car 6.8, c'est ça. C'est la même taille que le 6S Pro, mais avec un 888+. C'est quand même 1 million sur un tout, une charge un peu plus rapide et quelques détails dedans, mais vraiment peanuts, quoi. Combien le Nubia 7. J'ai oublié les prix. Un peu plus cher, 100 balles de plus, je crois. Hein, 599, je crois, en version de base. Attends. Attends, je sais pas où elle est ma fenêtre. Attends, ok, ça c'est bon. Elle est où ma fenêtre de pas là. Attends, je vais te dire ça tout de suite parce que j'ai ouvert la page. Nubia. C'est pas ça. Ça c'est quoi? Attends. Le Black Shark, il est là. Ok. Ah ben j'ai pas. J'ai pas le. Non, mais j'ai pas encore les. Si, elle me l'a mis dans un PDF qu'elle a con, là, mais. Elle m'a renvoyé sur son site Nubia et j'ai pas. J'ai pas le temps. Bah, tu sauras le 22. Tu sauras le 22. J'ai pas eu. Attends, fais voir. Red Magic, 6S collaboration. Voilà. Hi, Greg. Zombargo, le 22. Non, mais j'ai pas les prix. Tu vois, j'ai pas encore les prix. J'ai juste que le 2 mars, il y aura une offre spéciale. 1,99$ by 20$ coupon. C'est-à-dire pour acheter les coupons de 20€ pour 1,99€. Pour 2€. Rien compris. Enfin, rien compris ce qu'elle voulait. Bon, dans tous les cas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Évidemment. Attends, je vais remettre comme ça. En revenons-en à notre jeu là. Deuxième jeu. Alors,
Pack winner, complète. Voilà, complète, c'est bon. Voilà, hop là, deuxième jeu. La batterie, ah non, lunettes, King 7, ok. Pour gagner les lunettes, il me faudra mettre dans les commentaires, mais vraiment, point d'exclamation, Sunday avec un S majuscule. Je vous lance le jeu, c'est parti. Alors attends, Sunday, Nubia, Pro, me donnerait bien envie. Donne, alors, combien de Nubia? Dolls Black Shark. Ça donne quoi en mise à jour ta Romulus? Pas mal, de temps en temps. Au début, il y en a eu beaucoup hein, sur le 6S Pro, puis à la fin, plus trop. Hein. Il n'y a pas eu trop de mise à jour. Il y a eu beaucoup de correctifs au début, mais pas beaucoup plus que ça. Elle allume son triangle. Ouais. Il faut lui cliquer sur... Alors, j'ai pas compris, c'est que dans les manipulations, pour les gamers, il faut appuyer sur la touche G. Ou le point G. Pour les plus spécialistes d'entre vous, bien évidemment. Combien le Black Shark? 499 €, ça c'est sûr. Je crois que le Nubia, il a 599 hein, de mémoire. Mais il y a quand même un 888 plus, quoi. Mais il n'y a pas les gâchettes. L'intérêt du Nubia, il y a des gâchettes magnétiques. Tu as deux petits clics qui fait sortir les gâchettes magnétiques et tu peux jouer. Et quand tu l'as pas, tu rappuies, les gâchettes rentrent dedans. C'est la petite différence. Et les deux ont écran Super AMOLED 4, trop bien. Un peu plus petit pour le Black. Comment il fait le Black Shark? Mais un peu plus petit, il fait 667. Et un peu plus petit. Alors après, est-ce que je ferai un versus et tout? Peut-être dans les lives de mercredi, tu vois, mais après, refaire un versus et tout. Je vous rappelle, c'est des reviews qui sont gratuites en échange du produit. Alors, c'est des produits qui valent quand même un peu cher, donc c'est pour ça. Mais bon, après, on va pas faire 50 vidéos non plus, quoi. Yes, combien le Black Shark? 499, Sunday, une tombola de mes lunettes Kingston. Donc ça, c'est moi, d'accord. Donc là, vous avez le lien AliExpress. Pour ceux qui n'auraient pas gagné, qui voudraient éventuellement les acheter, je vous mets le lien. Voilà, qu'est-ce que se passe-t-il? Merci à Théo 11 de me follower. Merci beaucoup, mon pote. Qu'est-ce que je voulais dire? Sunday. Alors, Sunday. J'ai pas joué, moi, attends. J'ai pas joué. Si je gagne, je me rage. Hey, si je gagne, j'aurai une nouvelle paire de lunettes. Sunday. Tac, fais voir. C'est bon? J'ai participé. Alors, je suis où? GLG, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Revenons-en à nos moutons. Ils ont tous joué. Ils veulent tous gagner. Ça, c'est incroyable, ça. Tu demandes rien en échange. Les mecs jouent tous. Hein. Non, mais je demande un peu d'amour. Un peu d'amour et... Ah, vous pouvez faire des Tipeee, hein. D'ailleurs, Shadow va vous mettre comment... Si vous voulez faire un petit Tipeee pendant le jeu, vous pourrez mettre comme ça. On remerciera Gérard, qui était notre dernier tipeur. Gérard Bouchard. Je crois qu'il a mis Bouchard en plus. Il a changé son pseudo. Il a mis. C'est ça, Gérard Bouchard. Il a mis son nom comme ça là-dedans. Au cas où, si ça vous dit, ou des diamants, ou des abonnements et tout. Bah, GLG. Il n'a pas tiré le truc d'Amazon. Bah, si. Si on l'a fait, Amazon, Coco, je viens de le faire. Il n'a pas tiré le gagnant du truc d'Amazon. Non, on vient de le faire, Shadow. T'as fumé ou quoi? C'est Étoile Déa qui a gagné le bon d'achat Amazon. Faut arrêter la drogue. C'est bon, c'est fait. Ils ont vachement porté sur la chose chez Black Shark. Ils envoient plein de messages dans leur téléphone. Eh, peut-être. Ok, place Sunday, c'est bon. Il y a aussi un diamant. Un petit Tipeee. Je sais pas lui faire attention. Allez, Shadow, t'es complètement à la ramasse, mon pote. On a fait le tirage, Étoile DA, il a gagné, on lui a demandé s'il voulait le truc, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email en chuchotement, tout. On a tout fait bien, hein. On a tout fait bien. Après, il s'est passé 10 minutes entre les deux, et là, on fait le deuxième. Oh, Michael, t'avais pas joué après la bataille. Mais Michael, il a déjà joué, non? Non. Ah non. Attends, je rafraîchis. Nanana. Non, t'es bon, t'es là. Michael, Tianji. Voilà. Prends un Sunday, Shadow. C'est bon ce que t'as. Non, mais vous serez. Je pense que là, tous dans le chat sont d'accord avec moi. Il y a le modérateur, il est complètement à la ramasse. Il devait faire autre chose. Il devait être sur un autre truc. Il devait faire autre chose. Il a complètement loupé le truc. Pourquoi pas? Il me semble. You receive one ticket. Oh, ok. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les tickets, c'est parti. La drogue. T'as pas la vache qui...
aussi, fais tout. Après, ça dépend, en intraveineux, c'est dangereux. Bonjour à BBR6909 de me follower. Il te reste plus que quelques secondes pour mettre point d'exclamation Sunday avec un S en majuscule pour participer à la tombola. Sinon, sinon rien. Voilà, rien du tout. Tu pourras pas tenter de gagner. Nouveau follower, c'est moi, Michael. Complètement dans le gaz de Shadow. Ah, pas mal, ouais, dans la brume. Complètement dans la brume. Petit don pour toi. Bah merci mon pote. Je ne vois pas. Il n'est pas passé. Hein. Il n'y a pas, pas eu de tu. Vous ne pouvez plus participer. Trop tard. Oh putain. Oh les boules. Oh les boules. Eh, vous êtes arrivé quelques secondes trop tard. Il vous restera. Vous pourrez participer à la batterie. Sur Tipeee. Bah écoute, il n'y a pas le nom qui défile, hein, Coco. Je regarde. Attends, je vais regarder un peu. Je vais regarder là. Tipeee. Là, c'est étonnant qu'il n'y ait pas le. Je t'ai mis en masqué, t'as pas voulu apparaître. Je regarde un instant. Ah oui, c'est ça, il est là, je le vois bien. Mais t'as dû mettre, t'as dû cocher une case ou pas cocher une case ou te mettre en privé masqué anonyme. Et j'ai pas le nom qui a défilé. C'est pas un drame, encore une fois. Oui, je le vois aussi, mais je vois pas le nom moi défiler. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas le nom qui défile là avec Rocky, ta-da-da-da-da, tu vois, dans le. Dans le live. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, tombola. Bon, c'est fini la tombola. C'est bien. Oh, qu'est-ce que je veux dire? Oh, je voulais finir à 50. T'es fou, quoi. Ça marchera jamais. Bon. Shadow. Shadow, es-tu là? Shadow, es-tu là? Rallume les lumières. On fait le tirage de la tombola pour les lunettes. Le deuxième gagnant. Oh, ça y est, je viens de le voir passer. Si, ah, BZH, ça a fonctionné. Très bien. Merci beaucoup. Je vois également. Et je suis là. D'accord, c'est bon. Donc tu vois le Tipeee, mais je vois pas. Ah si, effet shopping, il vient de passer là. D'accord. Effet shopping, Gérard Bouchard. Ok, ça venait de moi. Donc là, on fait le tirage pour les King 7, je vous rappelle. Si c'est Étoile Léa qui a gagné, il choisira s'il veut gagner ou pas. Si c'est un nouveau qui gagne, il me dira bien en commentaire, est-ce que je garde les lunettes ou est-ce que je les remets en jeu? S'il les remet en jeu, on replie une tombola. Pick the winner. Attention, et le gagnant, c'est Mikado, bien évidemment. Oui, parce que c'est un ange triche. J'avais déjà mis son nom sur la liste. Bon, Mikado, à toi de me dire en commentaire. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux... Mikado, yeah! Yeah, donc yeah, ça veut dire tu veux? je veux pas, merci. Sérieux? C'est vrai? Tu veux pas? Pour de vrai? Non, gros, confirme-moi. Tu dis je ne veux pas. Tu mets je veux ou je veux pas. Si tu mets les deux, ça marche pas. Il me les donne. Mais non, ça marche pas. Je veux pas, merci. D'accord. Bah, moi, je confirme, je veux pas, merci. Hein. Donc, moi, je les remets en jeu. Sur. Il me les donne. Il donne rien du tout. Tu veux ou tu veux pas. C'est pas pour une chanson. Je prends des lunettes de vue. Alors, je passe. Plein shopping. Je prends moi. Bah, non, on remet en jeu alors. Complète. Ok. Donc on remet en jeu les lunettes. C'est parti. Ah, faut que je vous remette une pub avant. Je suis désolé. Hein. Je vous remets une pub avant pendant une 30 secondes et après on remet le jeu. Pas mal. Tu vois, j'ai reçu une notification. C'est quoi? Facebook. A réagi à votre story. NTD. Allo Ciné. Oh, Didi, il y a une vidéo. Didi. Putain, j'adore sur YouTube. Qu'est-ce que je kiffe ça. De la pub, Twitch, tableau de bord, c'est bon. Ouh, bon, bah on remet les lunettes en jeu. Alors, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Putain, du coup, j'ai bien essayé de meubler au début, tu vois, pour gagner du temps, pour essayer de tenir une heure, mais on va peut-être tenir plus d'une heure, voire une heure et demie, par exemple. Mais bon, on est là pour les cadeaux. Bon, les lunettes King 7. Je lis les commentaires. Ça fait durer le plaisir. Oh oui. Pourquoi jouer pour des lunettes, alors que t'as peut-être déjà des lunettes. Pas faux. C'est pas faux comme remarque. En sachant que tu sais ce que tu gagnes, oui, en théorie, voilà, pourquoi jouer? Mais c'est peut-être juste pour le plaisir de gagner. C'est peut-être juste pour le plaisir de gagner, de dire, je ne les veux pas. Voilà. Bonjour, merci Twitch pour ne pas modifier en temps et en heure. Mais écoute, de bonnes nouvelles, jeune neuf, puisque bon, le bon d'achat Amazon a été gagné, mais les lunettes ont été gagnées, mais il n'en veut pas, parce qu'il a déjà des lunettes de vue. Sur Twitch de Recalbot, le tirage au sort se fait avec des jeux de billes qui
descendre un circuit. Ça m'a l'air compliqué ton histoire. Bon, je remets les lunettes en jeu. Des jeux de billes et tout. Oh, arrêtez. Déjà, je vois le mal qu'on a eu à faire 300 followers parce qu'il fallait s'inscrire et tout. Et déjà, le jeu, déjà, mettre point d'exclamation Sunday avec un S majuscule. Déjà, les derniers, mettent un espace, ils mettent pas de S majuscule et tout. Il faut commencer à jouer avec des billes, ça va être compliqué. Bon, allez, c'est parti pour les lunettes. On les remet. Ah, donc, vous mettez point d'exclamation. Sunday avec un S majuscule, U-N-D-A-I. On valide. Et voilà. T'as arrêté, hein. Je ne joue plus, hein. Mais là, je t'y arrête. C'est parce que pour que je remette, pour que je ne remette, remets pas en jeu, hein. Ça suffit, hein. Bon, moi, j'ai reçu un ticket, donc ça, tout va bien. Ok, attends, je vais regarder. Il est où le truc? Il est là. Fais voir. Bah, GLG, c'est bon. Moi, j'ai mon ticket. Pour faire durer le plaisir, déjà. Et je pensais pas gagner. Après, j'aurais pu les garder et pas laisser le plaisir de faire jouer. C'est exactement ça. Ah, il y a eu... Alors, attends, on en est où au niveau des Tipeee? Merci. Alors, je vais dire merci aux tipeurs et après, je reprends vos commentaires. Parce que j'appelle, vous pouvez faire un Tipeee en temps réel. On entendra la musique de Rocky. Votre nom s'affichera en bas et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Avec un T majuscule. Comme Sunday. Je sais, je sais. Merci à Jaune Neuf pour son Tipeee. Merci à BZH pour son Tipeee. Merci à Sébastien pour son Tipeee. Et merci encore une fois à Effet Shopping. On voit bien le nom, tout va bien, ça fonctionne. C'est merveilleux, c'est incroyable. On passe un moment fantastique. Vous êtes... Combien vous êtes en ligne? 32. Sunday, c'est bon. Sunday, ok. Sunday, nanana. Attends, je vais rafraîchir un peu la page pour ceux qui voudraient voir leur nom s'afficher vers le bas. Les tickets, les tickets, les tickets. Sunday. Une tombola pour mes lunettes. Sunday. Qui c'est ceux qui sont déçus d'avoir perdu, ils vont avoir une deuxième chance. C'est exactement ça. Ceux qui se disent « Ah, oh, j'ai pas gagné !» Là, vous avez quand même fait une lueur d'espoir au fond du tunnel. Là, tu dis « Oh là là, j'ai pas gagné !» Et tu peux rejouer et peut-être t'en dire « Incredible !» Première fois d'un spectateur. Qui es-tu? Alors, attends. Nanana, première fois. Première fois de Berber. Avec plaisir. Mika, t'es incroyable. Parfait. Ça va. Tu croyais que t'as gagné quelque chose? Non, il fallait mettre un point d'exclamation. Bon, pour que ça marche. Sunday, et voilà. Donc là, on a tous les participants. Quel moment fantastique. Quel moment fantastique. Voilà. Bon, je regarde un petit peu s'il y a eu de... Tipeee. Ah oui, il est là. 10, 1, 2 et 1. Pas mal. Merci beaucoup, les gars. Crésus qui m'écrit. Crésus, c'est à Lyon. C'est un magasin de montres d'occasion. Mais bon, là, malheureusement, Lyon, occasion, bah, rien, quoi. Pour les salutations, Crésus, ça marche. Merci de n'avoir pas gagné. Moi déçu de n'avoir pas gagné. Ben oui, mais toi heureux d'avoir une deuxième chance. Moi, par les bougnias comme toi. Voilà. T'as pas déjà gagné lors d'un live? Ouais, c'est possible, ouais. C'est ça. Je t'envoie des paillettes. J'aime bien le. J'aime bien l'emoji. C'est très représentatif. Moi, il reste 1 minute 24. Oh, que se passe-t-il là? Mais que se passe-t-il là? Mais alors... Merci aux nouveaux followers. Il te reste plus qu'une minute et quelques pour mettre point d'exclamation. Stone deck, hein, S majuscule pour participer à la tombola. Hein. Il va falloir jouer serré. Rock du Stone deck. Ouais, j'ai bien l'impression que c'était un peu trop instantané. Hein. Tu m'as juste follow parce que tu t'es rendu compte que ça fonctionnait pas. Et c'est bon, ça compte aussi. Je joue pas car j'ai des tiroirs pleins de lunettes. Je manque de place. C'est de bonne guerre. Ou alors, vous pouvez, si jamais, comme ça, vous voulez faire un peu les lèche-cul, vous gagnez et que vous voulez pas les lunettes, vous pouvez les donner à quelqu'un d'autre. Alors on va faire une nouvelle règle du jeu. C'est-à-dire que vous pouvez soit le cadeau le garder, soit
le rejeter, soit l'offrir à un autre abonné, par exemple. Histoire que, comme vous pouvez offrir des abonnements, t'as vous gagné, là, par exemple, Mikado, il aurait pu dire, tiens, je l'offre, par exemple, je sais pas, à Michael, BTDash, Nono le chat, Shadow, qui t'y veut, tu vois, par exemple. Ou genre, je l'offre au premier qui s'abonne, tu vois, le premier prochain qui s'abonne, je lui offre les lunettes, tu vois, t'as fait des trucs comme ça, tu peux, toi, tu peux, toi. Ah, baby, it's a firework. Cette règle éclatée. Oh non. Vous ne pouvez plus participer à ton voilà. Comment ça, c'est des règles éclatées? Non, on improvise au... au cool, quoi. Il y a des clans. Il y a des clans. Il y a des clans. Robot PC a planté. Ok. Du coup, t'as participé ou pas? Il fait shopping. Ou pas? Ah, ou pas? Ah, d'accord. Le temps que tu rebootes, on n'a pas... Ok. Ah, tant pis pour toi. Bon, le gagnant. Si c'est moi, Fred. Fred le hum. Voilà. Donc Fred, toi tu me dis, tu veux ou tu veux pas? Soit tu veux les lunettes et tu me dis je veux. Soit tu veux pas et tu me dis je veux pas. Soit tu me dis je veux mais je les offre à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est toi qui choisis et moi je noterai là-dessus. Par exemple, jure. Enfin, écoute, c'est pas moi qui décide, hein. Je le veux. Ok, ok, Fred. Bon, Fred, donc du coup, je suis au chuchotage ici. Tu m'envoies nom, prénom, tu me cliques sur mon pseudo, tu mets chuchoté, tu m'envoies nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Bien évidemment, et dans ce cas, je transfère ça à Ouin et elle t'enverra les lunettes incessamment sous peu, dans la semaine. Hein, c'est dimanche, on va se calmer. C'est tes lunettes? Non, c'est pas les miennes, ce sera des neuves, mais les mêmes. C'est les mêmes, mais en neuf. Non, moi, les miennes, je les garde. On change quand tu c'est les mêmes que moi, exactement les mêmes en bleu, même couleur et tout. Moi, demander à me dire lesquels voulez, je dis les mêmes. Comme ça, choisir. Non, il choisit rien du tout. Il a commencé à me casser les couilles, à aller le truc, les couleurs, les montures. Maintenant, ils ont des montures en bois. Je dis les mêmes que moi. Voilà, très bien, même couleur, même truc. Voilà, ça te fera un petit postiche chez toi pour mettre sur ta Dolls. Parce que Fred, il en a une. Je balance, hein, je suis désolé, mais Fred, il te mettra sur ta Dolls les lunettes, fera des photos, dira c'est les mêmes que GLG. Vous pouvez embrasser GLG. Félicitations. Merci mon père. Lol, cool, mort de rire, nickel. Très bien, non mais c'est bien. C'est plaisir. Quand même truc à gagner. Ok, donc là je mets complète. Et puis voilà. Voilà, bah c'est bon. Ah ouais, mais bon, après, tu me l'as dit. Tu m'as fait un petit MP, mais j'en ai commandé une, elle est trop bien. Ça, tu peux, au moins tu peux partager ton expérience pour leur dire un peu, toi, ce que tu les trouves, quel modèle t'as pris et tout, toi. Il faut, ça peut, on est une communauté ou on n'est pas une communauté. Merci à BZH pour les diamants qui restent toujours bien évidemment éternels. Putain, il est déjà 11h02, on n'avait pas fini. Putain, je vais faire ça une heure. Bon, allez, troisième lot. Donc le premier, le bon d'achat gagné par Étoile. Le deuxième, les lunettes gagnées par Fred le Une, du clan des Une, du Seigneur des Anneaux. Et là, maintenant, on joue pour la batterie. C'est un nuage de Sangoku qui t'a recyclé que t'as recyclé en fauteuil. J'ai rien compris. Déjà, dans tes tombola, je gagnais jamais, sauf une fois. Et là, on revit la même chose. Ne perds pas espoir, il faut croire en toi, il faut croire en l'espoir, et croire, voilà. Bon, batterie Veger, c'est parti. Batterie Veger, c'est un giveaway, ou en fond d'écran. Allez, moi je joue, hein, parce que moi j'aimerais bien avoir une deuxième batterie, je ne sais même pas si elle me l'enverrait, j'ai un ouin, Sunday. Bah j'ai, en temps réel. Ben voilà, ça se passe bien cette histoire. Ah, voilà, ça on fait la batterie. Ah, j'ai oublié de vous mettre de la pub. je suis désolé. Je mets un peu de pub. Il y aura une minute, il y a 5 minutes de tombola, ça va. Hein. Ah. Putain, mon Mac il chauffe à mort. Pourtant, Mac, les mains et tout.
Alors, une tombe à la batterie externe a été un genre. You receive Sunday. You receive un ticket. Ok, ok. La pub, c'est la vie. ça marche aussi. ça marche aussi. La pub, c'est la vie. ah. 20 secondes. Non, mais c'est bien. Après, ça fait un peu de pub. C'est... On n'en a pas mis beaucoup. On en met une à chaque tombola. Bon, heureusement, la lunette, on a fait deux fois. Donc, pareil pour la batterie. Je rappelle, c'est la batterie externe. Je vais vous la chercher. Si je la trouve. Je sais pas où elle est. Attendez. De toute façon, je vous manque pas. Parce que je peux encore vous parler. Ici. Alors, attends. Elle est où, cette batterie? Elle est là, regarde. Ici. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Parce que là, je suis un peu loin quand même, hein. La voilà. Enfin, le voilà. La voilà. La voilà la batterie. Enfin, la voilà la grande folle. Pas aujourd'hui. bon, donc c'est celle-là. Batterie externe. Ok, trop bien. Hein. Batterie externe, 10 000 mAh. Ok, petit plug ici. Tu la recharges. Comme tu as les prises en haut. C'est-à-dire, quand tu plugs ici, soit tu plugs juste pour recharger la batterie, soit tu peux mettre ton téléphone et tout là en USB type C ou USB pour pouvoir recharger tes appareils et en même temps recharger la batterie. Et là, puisque tu dis c'est trop génial, regarde la Dragon. Tu cliques là-dessus, bim, la Dragon, c'est un câble USB vers USB type C. Voilà, comme ça, pas besoin de chercher, pas besoin de te dire, ah, mais j'ai oublié mon câble, ça fonctionne pas. Hop, tu plugs, soit pour recharger ton téléphone, soit pour recharger ton téléphone, parce qu'en même temps, ça se branche dessus, voilà. Très bien. Elle est trop bien, cette batterie. Je suis très, très content. Le gras, c'est la vie. On n'a pas tous les mêmes prérogatives, monsieur. Ici, on entend. Je vois pas la pub, c'est Amazon Prime ou AdLock, les deux. Je crois qu'Amazon Prime, pas la pub. Puis après, AdLock, je pense pas, parce que comme elle est intégrée dans le business, là, en théorie, tout le monde devrait l'avoir, tu vois. Sauf les Prime qui ne la voient pas. Je vous rappelle, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne. Non seulement ça soutient la chaîne, ça me fait un petit peu d'une argent, et vous n'avez pas de pub, vous avez droit des avantages, des emojis personnalisés, tout ça, quoi, tu vois. Trop bien. Je vois pas la pub, c'est bon. Coucou, on voit. Elle va sur tous les feux. Hein? Pas compris. C'est une batterie pour la Dolce. Il n'y a pas de pile. Elle fait 30 kilos, la Dolce. Parce que mine de rien, elle m'a renvoyé après. Elle m'a fait un mail avec tout ce truc. Elle fait 30 kilos quand même, ouin ouin, là, dans la boîte. 30 kilos, t'imagines pas. Prenez, je sais pas, une halter 10 kilos déjà. Enfin, tu sais, déjà, tu sais, prenez les poids, 30 kilos, va me falloir un Fenwick. livré avec son chariot élévateur. Non, mais c'est lourd, quoi, 30 kilos quand même. Hein, on peut pas la. Hein, on aurait pensé, même si elle est souple, moi je ne le suis plus. Hein, il va falloir que je m'en mette un peu la gonflette. C'est bon maintenant, on peut faire. Je vais faire mes propres t-shirts grâce à l'encre DTF et une imprimante à 400 balles. Ah, cool! Oui, c'est vrai que... Alors, j'appelle PL Shopping, il m'avait déjà envoyé ses mugs. Il m'avait envoyé un mug, il a marqué « By GLG », trop classe et tout, voilà. Et maintenant, il peut faire ses t-shirts. Trop bien. Et alors, tu m'envoies quoi comme t-shirt? Si tu m'envoies un t-shirt, je le porte pendant tous les lives du dimanche. On en fait pas beaucoup, on fait un par mois. Mais voilà, tu pourrais trouver un truc rigolo, tu sais... Madols n'est qu'une compagnie. Non, j'aime bien parler à Madols. Non, mais faut retrouver un truc rigolo. Tu sais, une phrase un peu. Voilà. Ah oui, la Dragon. La Dragon est top. Moi, je vois quand je suis parti en vacances, toi, il n'y a plus de batterie sur mon téléphone parce que je m'en servais comme GPS. Et bim, badaboum, t'enlèves, tu plugs là, tu cherches sur le téléphone. Pas besoin de te casser en disant ah, il est où mon câble et tout. Trop bien. C'est vraiment. Et puis après, n'importe où tu charges, n'importe quel McDonald's ou café, le truc, tu plugs, ça recharge la batterie, tu peux recharger ton téléphone en même temps et tout. Incroyable. Carter en sub, c'est bon. La tombola de batterie externe et câble est en cours. Viewer utilisé. Bon, pour participer, ça, on est d'accord. Pour le vibro en option. Je sais pas comment on peut. je sais pas quelqu'un. Alors attendez. Je sais pas quelles opportunités s'ouvriront à nous en recevant cette Jeanne. Quelles opportunités vidéaste ou comics s'ouvriront à nous. Merci à hein, 30 kilos toute mouille. Ah oui, ça remplace la salle de sport. Ah bah, tu dis, ouais, mais après, si je commence à vous dire, cet après-midi, je me suis levé la dole pendant une demi-heure,
tout de suite. Tu vois, si je dis ça, là, comme ça. Ouais, je vous vois en train de rigoler, là. Il y a trois qui sont morts de rire. Deux qui gloussent. Comme ça. Et... Voilà. Et là, tu... ouais, ça marche pas. Voilà. Elle mouille. Écoute, non. Non, mais tu peux lui... Non, on n'est pas là pour ça. En péril ni gloire. C'est vrai, non, mais en même temps, après, si je reviens en vidéo, t'as un mec des putains de bras là comme ça, tu fais alors l'adulte. Bah écoute, c'est vrai que je la déplace souvent. Je la déplace souvent d'une pièce à l'autre, de la chaise à la couchette. Une vraie gonce, ça fait... Oui, en fait, le truc, c'est que déjà, c'est du... c'est comme ils expliquaient, du espèce de silicone et tout, et que, mine de rien, la matière est relativement lourde, et qu'ensuite, dedans, il y a une armature en métal. Alors, est-ce qu'on la démontrera je ne sais pas, mais dedans, il y a une armature en métal, tu sais, pour essayer de lui plier les genoux, et, tu vois, lui écarter les bras, et tout, comme ça, tu vois, pour qu'elle puisse faire un peu, tu sais, en mode sphinx, tu vois, comme ça, ben, il faut qu'il y ait une armature métallique dedans. Voilà. Batterie de cuisine. Van raté. Vous ne pouvez plus participer à ton vola. Ce n'est mon chat Manol, c'est moi. Le chat est mort, la dolle s'est crevée, et moi, et moi, et moi. Alors, la dolle s'est crevée, je vous laisserai, pareil, encore une fois, vous faire vos interprétations douteuses, bien évidemment. Ce n'est... Tipeee, le hashtag Tipeee. Je prends note pour le t-shirt. Tu veux jouer dessus? Hein? J'ai pas compris. Je l'ai pas celle-là. Tu veux quoi, pardon? Ah, tu veux quoi dessus? Eh ben écoute, on réfléchira. S'il y en a qui ont des bonnes, une bonne punchline là, pour mettre sur le t-shirt de l'effet shopping, eh ben dites-nous en commentaire et nous ferons remonter l'information. Tu m'étonnes que quand tu vas prendre cher... Quand tu... que tu vas prendre cher. Je sais pas qui va prendre cher. Revenons-en à nos moutons. On vient bien trouver des sex tapes. La dalle, la migraine, la mal au crâne. Ouais, bah dis donc, je mets de l'iprane à 1000, les gros là. Hop, dans le premier trou qui passe, dans le nez. Voilà, dans le nez, on lui met deux doliprane. On aura pas mal à la tête avec ça, c'est sûr. Jamais sans ma dolce. Ah, elle est pas mal. Jamais sans ma dolce. Ma dolce égale vie. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Jamais sans ma dolce, elle est pas mal. Shadow a déjà réfléchi à la question. La dédoque, tu peux l'accrocher au plafond avec un balai pour faire sorcière, pour jouer à Harry Potter. Non, bah alors, lui, 500 balles de machin, on va pas commencer à lui rentrer des machins dans le huc, hein, oh, dis donc, au prix de la dolce. Et il faut, c'est une Jeanne, hein, c'est une employée, elle fait partie de la team. la team dolce. Elle fait partie de la teams, voilà, donc, faut voir. La future bio de GLG. Have you one dolce? Ah, elle est pas mal aussi. J'en prendrais pour un dollar. Oh, j'en prendrais pour un... Vous vous rappelez, c'est dans Robocop, j'ai fait ça, j'en prendrais pour un dollar. C'était une vraie expression. J'en prendrais pour un dolce. J'en prendrais pour un dolce. Elle est pas mal. Merci au timer qui vient de tomber. J'en prendrais pour un dolce. Elle est pas mal. Jamais sans ma dolce, elle est pas mal. Jamais sans ma dolce, c'est pas mal. Parce que ça ferait vraiment plus un truc, tu sais, imprimé... Faudrait que tu trouves une typo un peu sympa, tu vois. Puis jamais sans ma dolce, là, l'intérêt, c'est que voilà, on met faire le truc avec Jeanne. Je m'appellerai Jeanne. Voilà. Merci à Nono le chat pour le Tipeee. Nono le chat, jaune d'œuf, BZH, Sébastien et effet shopping, encore une fois. Elle est pas incroyable quand même. Ben non, apparemment, non, hein, Robocop. Robocop, c'est ça. C'est le premier truc, ouais, c'était ça, Robocop. Il dit, j'en prendrais pour un dollar. Mais après, en fait, j'avais vu dans une émission, il paraît que c'est très, 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 c'était très, très connu aux États-Unis et tout, et que j'étais un peu le seul à pas connaître. Bon. Si on faisait le tirage au sort, parce que bon, voilà, je sais pas combien vous êtes là. Combien vous êtes d'ailleurs? Question subjective. 34. Pas mal. Allez, on fait la batterie. On reste encore une petite quinzaine de minutes à faire les cons. Non, les dolces ne sont pas garanties en kilomètres, elles sont garanties en heures.
C'est un autre régime, en heure d'utilisation. Ouais, c'est comme les avions. Pour avoir ton brevet, c'est en heure. Voilà. 34. Tirons. Tirons le gagnant. Alors je rappelle, le gagnant, celui qui gagnera la batterie. Encore une fois, trop solution. Il m'écrit dans les commentaires, je veux. Dans ce cas, il faudra me chuchoter à l'oreille via Twitch et m'envoyer nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Soit il me dit, je veux pas. Donc dans ce cas, on la remet en jeu. Soit il me dit, je veux, mais je l'offre à... Et il nous met le pseudo. Donc moi, sur ma liste, je l'offre à... Et dans ce cas, A m'écrit et il me dit nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. C'est bon comme ça? Et si c'est déjà quelqu'un qui a gagné, il choisit soit le premier cadeau, soit celui-là. Par exemple, on tire le gagnant. Est-ce que j'ai joué? C'est trop tard maintenant, de toute façon, dans tous les cas. J'allais dire, est-ce que j'ai joué? Est-ce que je peux jouer maintenant? Ah, il y a Alex! C'est mon pote. Je regarde un peu les communs. Je sais pas si j'ai joué. Ah si, oui, j'ai joué. Et comme ça, si j'y gagne, je peux dire, hey, je l'offre à... BZDash. Ben voilà. Donc BZDash, qui regagne encore, hein, je crois. Hein. Il y avait déjà eu un truc comme ça, hein, il me semble. Non, c'est John Dove qui a déjà gagné. Bon, bravo à BZDash. Ah ben voilà. Donc BZDash, tu m'écris, je veux pas, ou je veux, mais j'offre à... Ben voilà. C'est pas moi hein, qui fais le jeu. Hein. Suspense, que va-t-il nous écrire? Bravo, alors BZH, je veux pas, ou je veux, mais j'offre à machin. Il est en train de réfléchir à qui il va offrir. C'est ça ou pas? Je veux. Ok. BZH. 29, 200, voilà. Ok. Bah, félicitations. Félicitations. Bravo. Donc là, on met OK. Ici, complète. Je prends. Mais je crois que. Il a pas dit je veux et j'offre. Parce qu'après, il aurait pu dire je veux et j'offre, et puis laisser une condition, tu vois. Non, il a dit je veux. Donc là, après. T'as vu, on fait des règles un peu à la con, nous. Hein. Oui, mais comme ça, voilà, il dit favoritisme, mais bon, voilà. Bah voyons, toujours les mêmes. Oui, je fais chier. Merci à tous. Tu pourrais dire merci à tous pour votre mauvaise foi, hein, parce que là, vraiment, ils disent vive les Bretons. Voilà, ils disent bravo, mais ils sont un peu, tu vois, il y a un peu d'aigreur, tu vois, comme dans la Dolce, par exemple. va te faire la Dolce. Voilà, là, c'est ça. Bah, écoute, non, mais c'est bien, on a bien gagné. Donc, le bon d'achat d'Amazon a été gagné par Étoile DA. Je rappelle à tous les gagnants, vous me chuchotez à l'oreille. Sauf pour les gagnants de 10 euros Amazon, il faut bien que tu m'envoies ton adresse email. C'est très important. Voilà, par exemple. Et pour les autres, pour les lunettes et la batterie, nom, prénom, adresse et numéro de téléphone pour le transporteur. Et dans ce cas, on s'occupera de ça dans la semaine. Bien évidemment, par exemple. On va manifester. Oui. Le camion de la revanche des perdants. le convoi des perdants. Bah, vous ne serez pas tant que ça, hein. 35. Je fais partie des winners. C'est ça, il y a les winners et il y a les autres. C'est une phrase... Alors, l'intérêt, c'est quand même ce soir, vous êtes quand même 4 winners. Non, pas 4 women. 4 winners. Vous êtes 4 winners. Ce soir. Parce qu'il y en a un, il a gagné, mais tu sais, par... Il dit, non, mais tu vois, moi j'ai gagné, mais c'était juste pour gagner. J'en veux pas, je pourrais pas le porter. Mais voilà, après, c'est comme ça. Ils sont comme ça, sur le chat. Ils ont des chapeaux ronds. Vive les Bretons. Ouais. Il y en a pas un qui va me dire, Tipiak, ils ont volé notre batterie. Tu vois, voilà, là, c'était drôle. Tu vois, rebondissement, pub, tu te dis, waouh, trop bien. Quelle réactivité incroyable. Toujours les mêmes, et c'est aussi toujours les mêmes qui participent. Ah, c'est ça. Vous n'étiez pas non plus extrêmement nombreux. Je crois que sur les 35, j'ai pas vu combien il y avait de participants, mais sur les 35 que vous êtes en ligne, il y en avait peut-être 20 ou 25 qui ont participé. Donc en même temps, c'est pas non plus, c'est une chance sur 25. Je comprends que, on retombe toujours sur les mêmes. La taille, c'est bien L, je crois. Oui. Oui, c'est bien L, tu crois. Voilà. Et la Dolce, ça sera S. Tu veux faire un modèle homme et un modèle femme? Et après, tu mettras sur la Dolce, tu mettras jamais sans mon GLG. Je dis ça. En fait, c'est drôle. Moi, je lui mettrai le t-shirt. Bien évidemment. Merci à BZDash pour le diamant.
Ils ont aussi une grande garde-robe, lol, je sais pas. Tu me vois aller chez, chez H&M. Bonjour, hein, acheter des fringues. Non, mais je pense, après, moi, je lui demanderai qu'elle m'envoie des accessoires et tout. Hein. Tu sais, les monottes et tout, le fouet. Tu sais, j'en ai pas, moi, il faut que... enfin, pas à sa taille. Mais qu'elle m'envoie des trop trucs avec, tu sais, genre, qu'elle me l'habille, qu'elle me la maquille, voilà, quoi. Puis habillé pour qu'on puisse faire une vidéo, tu vois. Compagnie, petite secrétaire particulière. Secrétaire particulière. Oh là là, putain, c'est toute ma jeunesse. 21, je crois, participants. Voilà, donc c'était pas non plus une chance sur 21. Mon numéro de tel, adresse, ouais, ça sent la technique de drague. Ben non, parce qu'il me semble que t'as déjà gagné et on t'a pas harcelé, hein, d'ailleurs, de mémoire. Ça sera plus compliqué si on est 500 de jouer. Oui, c'est ça. Oui, je pense quand vous serez 500, bah déjà le chat va être un petit peu vénère en commentaire. Et après, voilà quoi. Tu vois. Donc là, bon, on est quand même en petit comité restreint. Ce qui sera un peu le leitmotiv du mois de mars. C'est-à-dire que je renonce. Je renonce à mes rêves de gloire et beauté. Bon, parce que la beauté, hein, avec 43 ans, maintenant, c'est foutu. Ça n'arrivera plus. Après, je me dis, oui, peut-être qu'avec la maturité, truc, voilà. Mais après, et puis après, bon, voilà, si ça devait marcher, qu'on devait percer, tout, voilà. On n'est pas dans le, on n'est pas dans le mainstream, nous, hein. On est, voilà, restez dans notre petit club truc, vous offrir des machins, faire les petits lives le mercredi, un dimanche de temps en temps, des reviews en français, des reviews en anglais, et ça suffira à mon bonheur, n'est-ce pas? Et au vôtre, hein, qu'à vouloir faire trop, s'épuiser, et puis, putain, vous n'avez pas le temps de regarder. J'ai bien compris, vous me l'avez dit déjà. Une chance sur 25, donc un quart, un quart et 4 gagnants. Le 4 quarts, c'est bon. D'accord, ok. C'est le 4 quarts qui a gagné alors. Mikado, tu fais les string perso. C'est une bonne question. On demandera à Effet Shopping, est-ce que tu fais les string perso? Cliquez ici. Avec une cible ou un bouton, tu sais, un bouton avec marqué cliquez ici. pas de monote. Après, elle risque pas de crier. Bon, c'est vrai. Faut voir. Faut voir. Attends, on sait pas. Hein. On sait pas quel modèle on aura. Tu lui feras manger 5 fruits et légumes à ta dolce. Ouais. Ouais. Bon, je vais chercher un truc grave là derrière. Puis après, on va arrêter là. j'allais rebondir sur autre chose et pas sur la dolce. Secrétaire, pas cher youtubeur particulier. Elle est bien. Secrétaire particulière, cherche youtubeur particulier. Nanana. Bon, non, ça sera pas la chanson. Au mois de mars, j'ai dit non, la chanson non plus. À l'époque des tombolas sur JT Geek, avec la clé des smartphones à 500 euros, il y avait la grande foule. Oui, bah oui, c'est ça, ouais, bah oui, forcément, ouais. Ouais, mais intéressé un petit peu, hein. Puis quand il n'y avait pas été fait à 500 euros, mais je veux pas, non, il n'y a rien de bien ce mois-ci, je participe pas. Donc pareil, business model pas viable, on passe à autre chose. Mikado, oui, c'est possible. Sur les strings, d'accord, très bien, il s'adapte, hein, il s'adapte très bien. 22, que peut gagner des aubergines à manger pour la... aubergines et bananes. régime sec, aubergine et banane. La banane, la seule qu'on peut manger par les deux trous, par les deux, voilà. Bon, rebondir, faire rêver aussi. Mais ouais, ils étaient à fond sur les tests, je m'en rappelle. Tels. À fond sur les tels, c'est ça. Oui, bah après, il faut. Je pense qu'on aura compris que les tels, ça a passé de mode, hein, un petit peu. On en est sur autre chose maintenant. Bon, les enfants, il est 23h23. L'heure, de, à mon avis, de se laisser ici. C'est déjà bien. C'est bien, c'est pas trop sucré, les aubergines. C'est bon pour son régime. Ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, 23h23. Je trouve que l'heure est tout à fait asynchrone pour qu'on arrête ce live-là qui devait durer une heure, je vous le rappelle. Et quand même durer 1h23. On félicitera bien évidemment nos gagnants, qui sont Étoile Déa, Fred Le Hume et BZDash. Qui ont gagné nos trois produits et jaune 9, bien évidemment. On remerciera également nos tipeurs, j'en rappelle pour faire des Tipeee pendant l'émission. On remerciera Nono le chat, jaune 9, BZH, Sébastien et Effet Shopping. Cinq derniers.
Non, c'était plutôt pas mal. On remerciera également ceux qui m'ont envoyé des diamants, notamment BZH, BZH et BCTH. Pas mal. Est-ce qu'on a eu des abonnements aujourd'hui? Non. Ah, il y a une heure. Sébastien a renouvelé son abonnement pour 2 mois. Merci beaucoup, BZH. Regarde, un abonnement avant-hier. Non, c'est tout, voilà. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je me suis beaucoup amusé avec vous. En plus, il y avait des cadeaux à gagner. Je rappelle aux gagnants, n'oubliez pas de m'écrire en chuchotant nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. En plus, adresse email pour celui qui a gagné le bon d'achat Amazon. Je crois que je leur envoie, elle m'a dit, c'était surtout par email. Ils envoyaient un email et tu peux utiliser ton bon d'achat. Tout bien, tout bien. Mon week-end termine bien, carrément. Mais pour tout le monde, au moins, on aura bien rigolé. Hein, c'est déjà ça. Un grand bravo gagnant, merci. Et le grand perdant est... Yes papa. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. C'est à tous un bon dimanche, une bonne semaine. Prochaine review. Alors review lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche sur GLG Review. Allez-y. Si c'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne anglaise qui s'appelle. Vous tapez by GLG. Oui, monsieur by GLG sur YouTube. Normalement, il y a remarqué by GLG in English. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés et puis ça permet de faire grossir un peu les chiffres. Avant de faire grossir la... Non, on va arrêter avec elle. Voilà, mon calme va prendre cher. C'est le cas de le dire. Allez, je vous remercie de passer me voir. Bonne journée, bon dimanche. Et bah, prochain... le dernier dimanche du mois de mars ou avant, si on atteint les 100 followers. Allez, bonne journée à tous. Merci. Bye bye. Ah bah, c'est pas celui-là. C'était celui-là.